Bon, mes enfants, vous vous sentez bien dans l'école? Oui, maman, mais il y a un fils très insistant dans notre classe. Elle s'appelle Marianne. Je préfère être loin d'elle. Tu es d'accord avec moi, Alex? Oui, c'est vrai. Elle a mis un problème toujours. Il y a 3 semaines, elle s'est battue avec une fille du 3e cours. Et maintenant, elle est à l'hôpital. Elle est bien? Oui, oui, elle est bien. Elle est un animal. Sûrement, ses parents ne l'ont pas bien éduquée. Oui, je sais qui est. Ses parents ne vont pas aux réunions. En plus, chaque semaine, elle a un petit ami différent. Et elle est un salope. Tu ne dois pas dire ça, mais j'espère que vous soyez loin d'elle. Vous savez que la patiente Marianne est clara pour 3e cours. Je serai incapable de faire face à Marianne comme Clara. Oui, hier, Alex et moi avons parlé à notre mère. Elle m'a dit que c'est mieux que nous soyons loin d'elle. Je préfère faire attention. Bon, nous ne les connaissons pas. Salut. Et nous ne pouvons pas les mieux. Oui, mais je préfère une autre face à moi. Je suis d'accord avec Lorraine. Bonjour les élèves. Bonjour. Ça va? Ouais. Bien. Bien, d'abord on fait l'appel, d'accord? Nicole? Moi. Alex? Moi. Laurent? Moi. Marianne? Marianne? Mais tu fais quoi? Sors le pied de la table et lâche ton téléphone portable, quoi. Quel est ton problème? T'es pas rangé donc pas donné une bonne impression ou quoi? Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, va-t'en, va-t'en, va-t'en! Il y a ton problème? Mais pourquoi tu te prends? Maria, pourquoi tu es ici? Tu veux parler avec moi? Avec toi? Oui. Non. Pourquoi ne pas parler avec toi? Tu n'es pas mamie. Je n'ai pas mamie. Je veux te ver. Me ver? C'est pas possible. Ta mère, oui. Et ta mère. Et pour toi, toujours. Bon. Je non. Ma mère. Elle est morte. Il y a 3 heures. Je n'ai pas fini. Et après la mort de ma mère, je suis restée avec mon père et lui, il est terrible. Je le déteste. Marianne! Marianne, où es-tu? Thomas.
Esa fois que mon père est de sa forme, je vais chez Julie, maintenant. Et je pense qu'elle est fatiguée de moi déjà. Pourquoi, hein? Pourquoi ma vie est si difficile? Pourquoi? Nous ne pouvons pas juger les gens par leur apparence ou par leur action. Tout a une raison. Et sa raison, nous ne le savons pas. Juger et tout sera jugé. Respect et tout sera respecté.